Bonjour tout le monde, ici moi Tacman, puis aujourd'hui, on va faire plein de petits flyers, puis topter, on va les pumper, puis on va fesser dans le tas. Donc, ouais, en ce moment, je suis encore à rank 39, parce que la dernière fois, j'avais perdu une game avec mon deck au joueur sacrifice. Une game vraiment serrée, mais ouais, j'ai perdu. Donc là, il faut que je me rattrape. Donc, ouais, je suis là, ça suffit le niaisage. Bon, justement, en même temps, ce deck-là, c'est pas le deck le plus sérieux au monde, là. Mon adversaire commence, j'ai une main un petit peu lente. Je pense pas que je veux garder ça. Oh yes! Fairy Miscreant, tour 1. Alright, je suis partant. Donc, on joue contre un deck rouge agressif. Ouais, c'est la dernière fois, le deck que j'ai joué contre, c'était vraiment un deck mono-rouge. Je pensais que c'était un deck top-tier, mais non, c'était vraiment un deck mono-rouge, donc... En tout cas, c'est du passé. Là, pour l'instant, on va jouer avec nos Fairy Miscreant. Puis, ouais, j'ai beaucoup de cartes à 3 mana ici, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir, je sais pas, jouer top-tier Engineer. Peut-être, puis après ça, ça va donner Ace à mes petits top-tier ici. Non, c'est quoi qui est exilé ici, là? Un Ember Hauler, c'est bon ça. Oh, nice! Je vais pouvoir jouer une autre créature. Puis là, j'ai toutes mes couleurs de mana. Donc, c'est vraiment parfait hein, en termes de mana. Donc, ouais, Welcome Turn, c'est un vraiment bon draw ici. Ça va être très mauvais par contre quand il va jouer Twin Bolt puis il va me tuer mes deux créatures. Ben, à part ça, c'est un vraiment bon draw. Donc, ouais, s'il n'y a pas de Twin Bolt, c'est bon. Donc, bon, allez, no Twin Bolt. Ah, pas de Twin Bolt! Non, résiste! Je joue pas Twin Bolt! Je voulais pas! Non! Oh fuck! Donc là, je vais prendre 3 de dégâts en plus à cause du abot. Donc, ok, ouais, ça c'est un petit peu gossant. What? Il joue une autre créature en plus? Tabarnan! Ok, donc. Bon, c'est quand même toujours pas si pire que ça. Je veux dire, je vais pouvoir jouer Top Turn Engineer pour bloquer son gobelin, puis je vais pouvoir lui faire un dégât. Donc, c'est correct. C'est pas plus grave que ça. J'aimerais ça puis j'ai une de mes créatures pour pumper mes créatures. Parce que je vais avoir plein de Topter. Donc soit Chief of the Fundry ou Thunderclap Wyvern, ça serait chose. Je pense Thunderclap Wyvern, ça serait encore mieux parce que je pourrais genre jouer durant son tour puis genre bloquer par surprise une de ses créatures. Quelque chose genre. Ok, ouais, ok. Ah ouais, Twin Bolt il était assez brutal par contre. Bon, c'est pas grave. En ce moment, il y a comme pas vraiment de bonnes attaques. Oh! Rogue's Passage, ok. Intéressant. Donc, il va pouvoir rendre son Goblin Glory Chaser imbloquable prochain tour. En ce moment, il n'y a pas assez de mana pour ça. Ouais, je pense que lui non plus, il sait pas quoi faire, là. Ouais, ces cartes-là ici, comme Gripper, Gearcrafter, puis Top Turn Engineer, sont vraiment bons contre les decks mono-rouge agressifs parce que tu fais juste jouer deux créatures pour le prix d'un. Puis tu sais, ton adversaire, il fait juste jouer une créature à la fois. Donc c'est juste. Puis tu sais, ça c'est genre le 2-1 et le 1, les deux sont assez bons pour tuer les créatures de mon adversaire. Donc à cause de ça, c'est vraiment genre. Un Gearcrafter, ça me permet de tuer deux créatures de mon adversaire, donc c'est comme vraiment fort. Heureusement, il y a Chandra qui est vraiment comme une des meilleures cartes qu'il peut avoir en ce moment. C'est pas grave. Je vais continuer à le fesser avec ça. Je vais continuer à jouer des petites créatures au sol pour bloquer. Puis, ah, ok. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il fait avec Chandra. S'il est capable de la flipper, ça pourrait être assez gossant. Quoique, je peux lui faire beaucoup de dommages avec toutes mes top tiers qui ont haste. On va voir qu'est-ce qu'il fait. En quoi, je joue contre des decks mono-rouges agressifs ces temps-ci. Chandra qui est l'actif, donc il va jouer une autre carte rouge. Après ça, pour la retaper. Ah, ok. Ou pas. Peut-être qu'il fait juste liaiser là. Ah, Top 2 Engineer, ça c'est gossant un peu. Ok, donc il se fait 1-1, il me fait encore un dégât. Ok, donc il va jouer une autre carte rouge. Donc ça, il va jouer sa dernière carte. Ok, Call of the Full Moon, ouais. Ok, ça c'est un peu gossin ici. Quoi qu'il va devoir le sacrifier à mon prochain tour, donc ça c'est pas si pire.
Ok, donc il va pouvoir flipper Chandra, ce qui gosse un petit peu. Il va falloir faire beaucoup de dégâts avec ça aussi, parce que ça, je vais devoir le laisser passer. Ah quoi, je vais prendre beaucoup de dégâts, mais après ça, mon adversaire, il n'y a plus rien en jeu. Ok, ouais, il me fait 2 dégâts. Je vais juste fesser Chandra avec genre toutes mes créatures. Toutes mes top 2, je veux dire. On va voir comment il attaque. On va attaquer avec le top 2 aussi. Juste avec ça, ok, je suis surpris qu'il garde le top 2. Donc ouais, je vais prendre genre énormément de dégâts, ce qui est vraiment gossant, mais malheureusement, j'ai... ça vaut juste pas vraiment la peine de bloquer avec mon Doctor Engineer ici. Oh, Thunderclap Wyvern, ça c'est bon. Ok, donc... ici, j'ai deux options. Je souhaite jouer Gear Repair, Gear Crafter. C'est quoi, je pense le meilleur... Non, le meilleur, je vais attaquer Chandra avec ces deux-là. Il va bloquer un de mes top 2 avec le sien. Je vais jouer mon Thunderclap Wyvern, donc plus que Flash. Donc, je vais survivre. Je veux dire, mon top 2, il va survivre. Puis, je vais faire 2 dégâts à Chandra. Là, je vais avoir une couple de créatures en jeu. C'est assez bon. Je vais pouvoir bloquer ces créatures, à part celle à laquelle il va rendre, imbloquable. La question, c'est, est-ce que je vais pouvoir le tuer assez vite? Je vais avoir une couple de 4-4 dans... Techniquement, je le tue en 2 tours. Chandra, il fait quoi avec? Il fait 2 dégâts sur moi, ok. Donc, je pense que je vais essayer de tuer Chandra prochain tour. Est-ce que c'était 2 dégâts de là, répétitifs? Ouais, non, l'affaire, il peut rendre son... ouais, non, je pense que je suis mort ici. Parce qu'il peut rendre lui imbloquable, m'attaquer pour 2, puis après ça, il va pouvoir le re-rendre imbloquable. What? Il rend lui imbloquable? What the fuck? C'est genre le dernier que j'aurais rendu imbloquable à sa place. Ok. Ouais, je vais le laisser passer, là. Ouais, c'est vraiment bizarre. Si, il aurait pu juste rendre lui imbloquable, me faire 2 dégâts, puis après ça, le prochain tour, il va le re-rendre imbloquable, puis me faire un autre 2 dégâts. Ok, là, je peux faire des tonnes de top 2. Ok, donc je vais pouvoir me faire avoir 8 de pouvoir dans les airs. 8 avec celui-là, 10 avec lui. Donc non, je peux pas le tuer malheureusement, mais je vais pouvoir faire une tonne de créatures. Je vais pouvoir tuer Chandra. Ouais. Je vais pouvoir tuer Chandra, puis faire bien du dégât avec ces top tiers là. Ok. Oh quoi. Va tuer Chandra. En fait, je me demande genre... si... Non, faut absolument que je fasse ça. Ok. Donc, ouais, on va faire ça de même. Bye, Chandra. Ici, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Parce que, comme je l'ai dit, il aurait pu me tuer s'il avait rendu lui imbloquable. Ce tour-ci, j'aurais été à 2 de vie, puis là, il aurait pu m'achever. Donc, je sais pas, c'est quoi l'autre carte qu'il avait dans la main, là? En tout cas, on va voir. Il peut pas jouer une carte et rendre une créature imbloquable. Donc, il peut pas genre jouer une aura et rendre une créature imbloquable. Ou genre jouer n'importe quel instant sur celui, le rendre plus gros, puis après ça, le rendre imbloquable pour me faire 3 de dégâts. En quoi, je sais vraiment pas. Top 2 Engineer, ok. C'est pas un problème. Donc, il peut me faire un dégât. Je sais pas s'il y a Twin Bolt, il me tue. Ok. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire ici. Il fait aucune attaque, donc c'est sûrement bon pour moi, ça. Ok. Welcome turn. Si j'attaque avec toutes, donc mes flyers, il va en avoir un. Il va avoir 8 de dégâts, donc il va tomber à 2. Puis si j'attaque avec tout ça, non, il va pouvoir survivre. Malheureusement, il va pouvoir survivre. Il va pouvoir bloquer genre ceux-là ici. Bloquer comme ça. Ok, donc je vais juste attaquer avec toutes mes flyers. J'aurais aimé ça pouvoir le tuer ce tour-ci. Mais c'est pas vraiment possible, malheureusement, à cause de son top tier engineer. Ouais, c'est parce que là, il peut m'en bloquer un. Il est pas mal obligé de me le bloquer. Celui-là, sinon il va mourir. Après ça, il va rester 4 bloqueurs, donc il peut bloquer tous ceux-là. Donc, ouais, puis il va avoir des créatures qui survivent. Donc, ouais, ça m'intéresse pas vraiment.
Je peux attaquer avec toutes, malheureusement. Donc, ouais. Si jamais il y a un Fiery Impulse, ça serait un petit peu gossant. Mais bon. On va jouer un Welcome Turn, ça va être une 3-2 qui peut pas bloquer aucune de ses créatures. Mais bon. Sauf si je joue un autre Top Tier Engineer, dans ce cas, je vais pouvoir bloquer le Top Tier qui sort de là, donc yes. Ok. Ouais, c'est ça. Il aurait difficilement pu me tuer s'il avait rendu lui imbloquable à la place de lui la dernière fois. Donc, ouais. C'est quand même serré parce que un burn spell, il me tue. Pas nécessairement, non, ça va pas nécessairement. À cause qu'il n'y a pas assez de mana. Ok, il se remplace par le AI. Donc, ouais, c'est toujours bon de gagner une game que t'aurais très bien pu perdre, tu sais. Ouais, difficilement, celle-là, j'aurais pu la perdre. Donc, ouais, là, le compu, il fait juste attaquer avec tout. Donc, je vais bloquer. Juste comme ça, essayer de pas perdre trop de créatures. Puis je vais quand même bloquer tout ce que lui a pour pas mourir contre un Twin Bolt ou une niaiserie de genre. Titan Strength, ouais, ou contre un Titan Strength. Donc, ouais, ça, s'il avait pigé ça le tour d'avant, il aurait pu me tuer avec le Top Tier qu'il aurait fait avec Top Tier Engineer plus Titan Strength, ouais. Puis même s'il y avait eu un Land plus ça, il aurait pu me tuer. Donc, oh mon dieu, on va faire tellement de dégâts. Ok, let's go. Bang, on va attaquer avec tout ça. On va jouer Thunderclap Wyvern. On va voir jusqu'à combien il va tomber. Donc, ouais, wow, toutes ces 3-3 là. Donc, il y a combien? Moins 17, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, ouais, malgré le fait qu'il était à moins 17, c'était quand même genre vraiment serré, Cup Game. Donc, bon, j'ai récupéré mon rank 40. The King is back. Parfait. Donc, ouais, ben, c'était Wattack, man. Puis je vous dis à la prochaine.